Salut tout le monde! On se retrouve pour un haul action. Et on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer plus longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On est quand même pour 154. 154 euros. On avait fumé la carte bleue. Donc clairement. Et on va faire ça tout de suite. Tu commences? Non, je te laisse commencer. Ok. Alors on a pris un gaufrier. Que ma mère elle nous avait passé le sien, mais du coup on en a acheté un à Action. Ça coûte pas très cher à Action, donc voilà. On a pris un gaufrier. Ça c'était pas l'idée. Mais c'est quoi, c'est pas drôle, c'est. C'est le truc pour le rouleau de PQ. C'est pour les rouleaux de PQ. Les rouleaux de PQ. Je pourrais être plusieurs. Et on en avait pas, et j'en avais marre à chaque fois. En fait, quand t'es sur les toilettes, en fait, tu dois te retourner comme ça pour attraper le rouleau. C'est chiant, je suis désolée moi. Je vais pas aux toilettes pour faire la gym, sinon ça serait. Ensuite, on a pris des verres. Enfin, c'est des flûtes. Laurine a cassé. Bah, elle a cassé le dernier qu'on avait hier. Très clairement. Donc, on en a racheté un. Un lot de trois. Je suis action que c'est pas cher, hein, comme je vous dis. Petite flûte à champagne. Bon, nous, on boit pas trop de champagne, on boit du rosé en général. Mais bon, c'est très bien pour moi. Tu peux les mettre là-bas parce que je sens que ça va être cassé. Tu devrais pas me les donner. Ouais, j'avoue, j'arrive encore à avoir confiance. Ah, oh, ça fait plaisir. Faites pas gaffe au bordel derrière, c'est tout ce qu'on peut pas ranger. Alors ça, c'est la filtreuse à eau. Parce que j'aime pas l'eau du robinet parce que c'est plein de calcaire et maman elle voulait une filtreuse aussi. Enfin, de base c'était pas une filtreuse que tu voulais, c'était une soda stream. T'es partie. Hein? De base, tu voulais une soda stream. Mais je l'ai, la soda stream. Ah ouais? Rien à voir, la soda stream, c'est pour faire des sodas. Ah, mais je l'avais pas vue en plus. C'est des choses que j'ai même pas vues chez lui. Je te l'ai dit que j'avais. Ah ouais? J'écoute jamais rien. Non, mais les gars, ça fait 9 mois qu'on est ensemble. Hein. Non, ça fait un bout. Mais du coup, tu voulais une filtreuse, c'est ça? Oui, je voulais une filtreuse parce que Thaïs a dit de se mettre à boire de l'eau et pour éviter d'acheter tout le temps de l'eau en bouteille. Et ben une filtreuse à eau, c'est pas mal, surtout que Laurine elle en boit. Moi je bois pas d'eau, erreur, mais je bois pas d'eau donc. Mais je voulais pour elle et les enfants. Bon, j'espère qu'elle est bien. Elle a pas l'air très grande, mais bon, c'est suffisant en vrai. Elle était pas sur cette plante. Ça c'est bien, ça change. Oh si, elle est grande en fait ça. Elle est bien. Je voulais une cruche aussi, donc une cruche à la base de carafe. Donc ça fait le faire. Donc là il y a le fer. Là. Donc franchement, si elle filtre bien, c'est pas mal. T'as même la... Ouais, la graduation. Les graduations, moi, vous allez peut-être pas voir. Mais... Non, vous allez pas voir. Si, vous voyez un peu. Ah. Donc voilà. Ça. Non, c'est à moi. Non, moi je... On a pris un pack de lingettes pour Perse. Parce que les lingettes ici, elles partent. Ça part trop vite avec deux enfants. Puis on l'utilise pour les fesses, pour le visage, pour les mains, pour tout. Et donc là, du coup, il y a 12 paquets de lingettes. Des paquets comme ça. Ça fait combien de lingettes? Si j'ai bien compris, 624. 624 lingettes en tout. Bien. Je pense que c'est suffisant. On les bouffe les lingettes ici. Attends, qu'est-ce que tu m'as sorti pour ça? Je trouve ça trop stylé. Alors en fait elle l'a pris parce qu'elle est belle. Ça fait américain. Bon, c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'utiliser les planches. Donc voilà. Mais en général je coupe dans mon assiette. Mais en vrai elle est trop stylée. Ouais. En fait, nous, notre cuisine, on veut la faire noire et bois, comme ça, le même bois, exactement le même bois que ça. Et donc, du coup, je trouve ça stylé. Bon, vous voyez la lampe derrière. Donc, voilà. Et c'est une 32,5 par 25. Voilà. On a acheté des piles parce qu'on a acheté. Ah, on a acheté une veilleuse aussi à Tess. Pas celle-là, mais bon, on a acheté une veilleuse en forme de koala. Pour Thaïs, donc on a acheté des piles qui se sont ouvertes dans le sac. Non, c'est moi qui ai ouvert. Ah. Mais il y en a qui se sont ouvertes dans le sac. Ah, à toi.
fameux plat à cake. À cake. Parce que la dernière fois, elle voulait faire un cake. Et puis elle me dit, tiens, c'est dommage, on n'a pas de plat à cake. Et je vois le plat à cake. On est passé devant, en fait. Et du coup, je dis, non, bah, j'aurais pas pensé. Tu veux pas prendre un plat à cake pendant qu'on y est ? Et du coup, on pourra faire des cakes. Combien ? Comptez le nombre de fois où elle a dit cake en cette présentation. Le fameux plat à cake. À cake. Parce que la dernière fois, elle voulait faire un cake. Et puis elle me dit, tiens, c'est dommage, on n'a pas de plat à cake. Et je vois le plat à cake. On est passé devant, en fait. Et du coup, je dis, non, bah, j'aurais pas pensé. Tu veux pas prendre un plat à cake pendant qu'on y est ? Et du coup, on pourra faire des cakes. Combien ? Faut qu'on se dépêche, qu'on attend quelqu'un. Du coup, il est en silicone. Et les roses, il y avait rose, il y avait vert, il y avait bleu. Donc, bah, on a pris rose. Oui, j'ai vu. C'est à moi ? C'est à toi, chérie. On a pris quoi d'autre ? On a pris ça pour mettre le sucre. Vous allez me dire, c'est une grosse boîte pour mettre le sucre, mais il y avait que ça en taille. On n'a pas choisi. On n'a pas pu choisir d'autre taille. C'est elle est profonde, non ? Je sais pas la taille. Enfin, ouais, c'est trop beau, c'est trop la couleur qu'on va faire dans la cuisine. On mettra le sucre en morceaux dedans. On a pris ça pour mon neveu parce que c'est son anniversaire. Donc du coup, il a pris ça. Je sais pas, je trouve ça stylé. C'est une voiture et en fait, elle fait des tournicotiers. Des tournicotiers, ouais, voilà. C'est à partir de 5 ans. Donc il a 6 ans. C'est téléguidé en fait. Il a 6 ans ou 5 ans ? Je sais pas, 6 ans, je crois. Voilà, je trouve ça stylé. Donc voilà, c'est une idée de cadeau. Ça, les gars. Ça, c'est la base. C'est du produit pour toutes les surfaces. Celui-là, il sent, mais tu vas voir comment il sortait. Rien que la dernière fois, je lui ai fait sentir la bouteille de l'autre. J'aime bien. Il sent grave bon. Et quand tu fais le ménage, il sent dans la maison. Ah, c'est bien ça. Je crois qu'elle a tout. Du coup, ouais, j'en ai pris deux parce que. Ça part trop vite, on lave tout avec ça, ça part trop vite et ça sent tellement bon que j'en ai pris deux quoi. Je sais pas quand est-ce que je vais y retourner, surtout que là les magasins qui sont pas de première nécessité vont fermer. Après je crois qu'ils ont une direction qui est restée ouverte pendant le confinement. C'est pas ce qu'ils arrêtaient de dire dans le magasin. Ouais. Ouais. Ouais mais ils restent ouverts mais ils bâchent les rayons qui sont pas de première nécessité. Je sais pas s'ils estiment que le ménage c'est pas la première nécessité, mais au cas où. Voilà. Du coup, c'est moi, j'ai eu l'idée. Tu prends des culottes à Thaïs. Bah, il y avait pas forcément besoin de base, mais elles sont belles. Mais en vrai, elles sont trop belles, et du coup, comme je sais qu'elle aime bien couper l'ol, après la moitié ou encore la taille, je sais pas, parce que j'ai pris au hasard. Il y avait que ça en fait comme taille. La dernière fois, j'en ai pris Action. Je savais plus c'était quelle taille j'avais pris. Donc. Moi aussi, c'est bon. Je compte pas dans l'œil. Nickel. Elles sont trop belles. De ouf. C'est rose fluo là, je sais pas si vous voulez. Oh, je suis pas plus fière de moi. Et là, t'as vu, elle commence à être propre donc c'est cool. C'est cool. Je me suis pris du déodorant. Ça, c'est mon déo de la vie. Dites-vous, même mon parfum, c'est ça en ce moment. De base, je prends le 1 million. Là, j'en ai plus. Donc, du coup, je prends le déo qui va. Le parfum qui va avec le déo, il est trop bien, il sent trop bon dessus. J'ai pris un petit jouet à Dio parce que hier on avait pris un jouet à Thaïs dans un magasin et j'ai pas trouvé pour Dio, mais je vais pas prendre n'importe quoi pour Dio alors qu'il peut pas jouer avec. Du coup là j'en ai trouvé un donc j'en ai pris un à Dio et pas à Thaïs du coup parce que comme ça c'est égalité. Et voilà, il fait du bruit. C'est bon, non, parce que je fais une vidéo avant et j'ai appuyé sur le bouton et on en avait pas fini. Hein. Donc voilà, c'est 2 ans et plus. Bon, il a 1 an, mais franchement, c'est un téléphone, quoi. C'est puis, un faux téléphone. Il cliquait tout à l'heure dessus, donc... Il est pas bête. T'en as encore de plus ? Ouais. Attends, on a pris pas mal de bouffe, quand même. C'est pris de la brume pour le corps. C'est Christina Aguilera. Ils sont trop bons, en vrai. By night. Bon, en fait, j'ai vu la couleur rouge, et moi, je me suis dit, c'est sûr, ça sent bon. Enfin, je me suis pris. Je t'ai dit, regarde un thermos pour tes enquêtes. Ça s'appelle pas un thermos, ça s'appelle ? C'est un thermos. Un thermo. Ou un thermos. Non, un thermos. Non. Je sais pas, ouais, peut-être. What ? C'est comme ça, j'aime. Mais ça, tu dois le laisser, ça. Ça, c'est juste ton verre, en gros. Ah bon ? Je crois que tu peux t'essencer pour avoir dedans.
Ah. Là, tu vides. Je fais comment pour remplir? Comme ça. Oh là là, mais moi c'est compliqué, hein. Moi, j'ai des gourdes. C'est bon. Tu vois, je comprends vite. Je comprends très vite. Bref. Parce que je fais des enquêtes, je fais de l'urbex et donc des enquêtes paranormales avec mon père. Et c'est vrai que quand il fait froid, on aime bien boire un petit café. Et là, quand il va faire chaud, on va aimer boire froid. Donc du coup, ça c'est trop bien. Surtout qu'elle est grande, donc en vrai, il y a largement assez pour moi et mon père. C'est ça. Donc c'est trop bien. Noir, évidemment, parce que bah, Noémie et le noir, c'est une grande histoire d'amour. Le noir et le rouge. On a pris des éponges. Ah oui, important. Ouais, c'est des éponges, quoi. Très important. J'ai pris des barrettes parce que je me sers beaucoup de barrettes comme ça, j'en ai régulièrement besoin. Et comme je les perds à droite à gauche, bah du coup j'ai pris un peu de élastique pareil. Hein, pour cette maison, c'est la chasse au trésor pour les élastiques. J'allais dire on est trois meufs, mais moi je mets pas d'élastique. Non, vous êtes deux avec des élastiques. On est deux avec des élastiques et à deux on se débrouille déjà pas mal pour les perdre. Puis je les prête aux poupées à Thaïs aussi. Tu les prêtes pas, elle les prend. Faut dire la vérité. Des petites chaussettes pour Thaïs. Elles m'ont l'air grand. Hein. Si tu fais un 3,26, en même temps, un 3,26, c'est vague. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 paires. Voilà. Laurine, elle s'est pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Ouais, parce que j'ai percé mes deux lobes et je voulais mettre des boucles d'oreilles dans les trous normaux pour que ça se voit, quoi. 16 paires. 16. Ah oui, on voit ton défi tout à l'heure, en fait, c'est cool. J'ai acheté une bouteille de gaz pour recharger. Laurine, elle a un pyjama, ça. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. une bouteille pour recharger les briquets. Et donc là, vous avez les petits embouts dans le bouchon. Voilà. Tiens, ça c'est bon. Ça. C'est mon idée. Ça c'est son idée. C'est pour mettre les épices. Les épices, les petits trucs qu'on a mis dans la panette en fait. Ouais. On va pouvoir ranger comme on va voir. Parce qu'on a une panette sur le placard, mais ça fait pas ranger en fait. C'est à chaque fois le fouillon. Le fouillon. Le fouillis. Je me suis pris deux petites enceintes, je croyais qu'elles étaient Bluetooth, mais elles sont pas Bluetooth en fait. Et en fait, elles sont... Je les ai mises sur ma télé du coup. Parce que c'est une petite télé, on est loin de la télé, donc je me dis ça va amplifier le son. Vous allez peut-être pas bien voir, mais... Je peux pas trop vous montrer, c'est branché. Voilà. On a acheté un gros rouleau de sopalin. J'ai la flemme d'aller chercher lui là. C'est un sopalin XXL. J'ai pris des piles aussi, des plus petites piles. Mais bon, j'ai pris les mêmes piles que. Elles sont parties un peu en cahouette aussi. Hein. Ouais, j'en ai dans le panier. J'ai pris des piles comme ça, mais elles sont renversées dans un sac. On a entendu la bouche. On a pris tout ce qui est nourriture. Faut savoir qu'on est des grandes fans. Donc on a pris des Kit Kat. Il y a 10 paquets de Kit Kat. C'est moi qui les ai pris et je vais les cacher parce que la dernière fois j'en ai pris. Je suis revenue dans le frigo 2 jours après pour en manger. Il en restait un. Alors que c'est moi qui. Et j'avais dit à Laurine, t'en veux ou pas? Elle m'a dit non. Voilà, c'est les meufs. J'en suis une, mais je suis pas comme ça. C'est ça qu'a pris. Donc ça, c'est moi qui ai pris parce que je kiffe les gâteaux comme ça le matin quand je déjeune. Ben. Ça a beaucoup été fait. Ça brûle. C'est rapide à manger. Et voilà. J'avoue, j'adore. Ça aussi, c'est moi qui ai écrit. Je me dis tout ce qui est noisette, tout ça. C'est trop la vie. Mika. Ouais, Mika. Oh, mais tu mets tes doigts dessus, donc il va y pas ce que c'est. Mais même. Les duplos, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. C'est trop bon, c'est bon. Moi j'ai pris un Toblerone chocolat blanc, j'ai jamais goûté. Du coup c'est l'occasion. Un quoi? Un Toblerone. Toblerone?
Toblerone. 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 Je suis dans la vue. Au chocolat blanc, j'ai jamais goûté, du coup c'était le cas. Moi j'en mangeais tout le temps quand j'étais petite. Ma mère j'en mangeais tout le temps. Les sneakers, c'est ma vie. Mais les crispy, j'ai jamais goûté, donc c'est l'occasion. Moi j'ai pris des Oreos, mais c'est du gâteau. Genre c'est du gâteau genre mou. Ça, je vais regarder à quoi ça ressemble. Ah, il y a même une. Bravo. Elle a arraché la boîte. Il y avait une ouverture, mais si, c'est l'ouverture. J'ajoute. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça ressemble à ça, attends. C'est assez petit que moi. On a combien dedans? 12. Apparemment, c'est arabe. Je suis pas douée, mais je crois que c'est arabe. On sait pas trop. Mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des Reese's. Ça, c'est la vie. La base. C'est du chocolat et c'est du beurre de cacahuète dedans. Donc, il y a 4 paquets de 2. De 2 petites palettes comme ça. Ça a bon goût, ça va bien. J'ai pris des petits zébra cakes. Cake de zèbre. Écoutez, je sais pas qui a eu l'idée de donner ce nom, mais voilà. Et en gros, il y a du glaçage dessus. Là, c'est un peu de la madeleine. Comme un peu du 4 quarts mélange. Enfin, un peu madeleine 4 quarts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop bon. Contre un nombre de trucs que Laurine a pris, le nombre de trucs que j'ai pris. Les calculs sont faits. J'ai pris ça parce que c'est la sœur à Noémie qui nous avait ramené ça une fois. Et du coup, j'avais kiffé. Et j'ai vu ça, donc j'ai kiffé. En fait, le truc, c'est que je suis passée dans les rayons. Puis je faisais. Moi, j'allais dans le rayon. Pour aller chercher mon déo. Quand je vois Laurine qui se barre dans le rayon bouffe avant même de m'attendre. Enfin, genre la meuf, elle se barre comme ça. Bref, j'ai pris des biscuits maltésers parce qu'on n'a jamais goûté. Donc, vous voulez goûter. Tout simplement. Ça ressemble à ça et c'est. C'est par deux, je crois. Oui, je crois. Ah non, c'est tout seul. Bon, je sais pas, mais il y en a, je pense, 2, 4, 6, 8, 10. Je pense qu'il y en a 10. Enfin bref, on goûtera ça, on verra bien. Et ça, c'est, bah, ça, c'est la base, en fait. Il y en a 6 dedans. C'est Milka. Ça, c'est trop bon, ça. Chaque fois que j'y vais, j'en prends. Et on a pris des boissons choupa choup. On n'a jamais goûté. J'avoue, j'ai peur. Ça, c'est Laurine, toi, ça doit être grave. Bon. Moi, j'en ai pris 2 parce que je savais pas choisir. Puis quand je t'ai parlé de melon aussi. J'arrivais pas à choisir, moi je kiffe le melon. Le melon, c'est mon fruit préféré. J'avais pris fraise. C'est fraise, crème flavour. Donc je pense que c'est comme les sucettes, un côté lait, un côté fraise. Enfin, crème flavour, je crois que c'est crème vanille, je crois. Et melon crème flavour. Là, celle-là me fait peur. Mais je vais goûter. Ah, je sais pas quel goûter en premier. Bah, ça, à la limite, tu le sais un peu, mais ça. Ça, j'ai jamais goûté ça. Allez, on va goûter celui-là. Et Laurine en a pris une aussi. Elle est trop stylée, la canette en rire. Tu peux me voir quoi, toi? Ah, ça mousse. Ah, je pensais pas que c'était. Oh, ça sent trop bon. Je pensais pas que c'était gazeux. Ouf. Oh. Hein, ça sent trop. Ah, moi je peux pas. Mais toi t'aimes pas le melon aussi. Grave flavour. Flavour. C'est du haut raisin, je crois. Ça sent bon. Ouais. Ça sent les boissons chinoises au melon. Ah ouais? Ah, c'est bizarre comme goût. Moi j'aime bien. C'est pas vrai, mais je préfère le mien. Tu vas peut-être pas mettre ça. Bah oui.
Vous allez pas comprendre que j'ai coupé, mais j'ai roté. Tu vas pas mettre ça. Je suis tentée de goûter l'autre, mais je vais pas le goûter tout de suite. Mais du coup, celui-là, je sens pas du tout le lait ou quoi. Et je vais la mettre au frigo. Donc je me dis que l'autre, il doit pas sentir le lait. Hein. J'espère que ce haul vous aura plu et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.